Commander, all crew on board. Roger, starting up. Batteries on, voltage normal. Start APU. Starting taxi. Commander, all crew on board. Half doors, doors, hatches are closed. Roger, starting up.
Batteries on. Voltage normal. Startup and systems tape recorder on. Rate switch. Firefighting system. Start AP. Fuel pumps on. Shutoff valves open. Engine stop valve hand. Temperature increasing. Pressure normal. Left engine. Anti-collision beacon. Dust protection to on. Revs increasing, temperature increasing. Right engine, start. Left engine at idle. Revs increasing, temperature increasing. Throttle to right. Power to systems on. Equipment to on. Voice alert system operational. Autopilot to on. Engine parameters normal. Reading checklist before taxi. AI 9B. Not off. Power systems. On. Boost pumps. On. EDIs. On. Caged. Directional system. On. Slaved. Autopilot. On. EDF. Off. Radio altimeter. On. Safe altitude is set. DISS. SPUU. SARBP. On. Entrance door. Closed and locked. Starting taxi.
off. Ah, oh, putain, il me fait chier celui-là.
Salut Nicolas! Salut, salut! Salut, salut Nicolas! Je dis Nicolas parce que nous sommes sur l'hélicoptère Horus. Je ne le connais absolument pas. J'ai jamais réussi à me poser avec. Ouais, il a des roues. Il a des roues celui-là, oui. Il a des roues. Donc, pas une sur la piste en vol. Là, je freine. Là, j'ai encore quelques petites choses. Voilà. Oui, il a des roues. Donc, voilà, c'est ça. Un gros machin. Il a une grosse baudruche. Allez, cap 115. Ouais, il est pas très beau, ouais, faut reconnaître, ouais. Mais par contre, c'est gros chantier. Ouais, on lâche les freins de roue et on y va. Putain, le décollage là-dessus, je t'explique pas quoi. Wouhou! Sur 126,
Krasnodar region 29103. Hello. Taking off Krasnodar Center, left turn to Maykop via Adigeisk and Razorskaya. ET for leaving region 30 minutes. 29103, Krasnodar region, climb to 500, for a pass in Adigeisk. 29103, Wilco, climb to 500. Vol en crabe, on dirait, non? Voilà, on va rester comme ça. Je suis pas là, je comprends pas pourquoi. Loin de mon point, pourquoi? Pas le bon cap, rien. Oh
putain, je sais pas. Je suis censé arriver à mon premier point. Moi, je suis censé aller là. Bon, il me dit au cap 86. On va y aller au cap 86, hein. Parce que ça donne.
1.3. Ça va mieux si je fermais la fenêtre. Turn left to heading 63. Krasnodar region 29103. Passing Adigeest 500. 29103. Krasnodar region. Report on passing Razanskia. 29103, Wilco. Alex, there is an NDB in Razorskaya. Set frequency 3120. Wilco, Maximich. Il dit d'utiliser la pause pour régler sur 312 MHz. Commander, we are too low. Climb to 500. Eh merde, qu'est-ce qui se passe? Oh là là. Tout de suite, il s'est fait écrouler le bordel. Je comprends pas. Ah bah voilà. Il a cessé de fonctionner. Au revoir tout le monde. Putain. Il y a un crash DCS. C'est bon ça. Bon. On va recommencer. Hein. De toute façon, cet après-midi, c'est l'après-midi DCS World. On recommence. Ah oui, inactif, il a rien pris en compte. Bah, c'est pas évident, hein.
Commander, all crew on board. Half doors, doors, hatches are closed. Roger. Starting up. Batteries on. Voltage normal. Start up in system. Tape recorder on. Rate switch. Firefighting system to on. Operation. Fuel pumps on. Shut off valves open. Temperature increasing. Pressure normal. Left engine, start. Salut Toulouse, 747. Revs increasing, temperature increasing. Right engine. Left engine at idle. Revs increasing, temperature increasing. Collision beacon. Throttle to right. Right engine at idle. The system's on. Equipment are on. Voice alert system operational. Autopilot to on. Parameters normal. Reading checklist before taxiing. AI 9B. Not off. Power systems. On. Boost pumps. On. ADIs. On. Caged. Directional system. On. Slaved. Autopilot. On. EDF. Off. Radio altimeter. On. Safe altitude is set. DISS. SPUU. SARPP. On. Entrance door. Closed and locked. Starting taxi. Starting taxi, qu'il a dit, monsieur. Allez, avance.
mal. Aoul. Окно. 103. Взлет. Off. T'es combien chez eux là? Dans 22 tourons. Bon. Окно. 103. Взлет. Bah, je me fais chier à rouler là.
Et c'est parti mon kiki. Bon, c'est pas vraiment dans l'axe, mais bon. Pas aller trop vite avec cette machine-là, hein? Oh, t'as une vraie gueule de Russe. Oh, ok, excuse-moi. On va la majorer, ça ira, voilà. Allez, on arrive sur notre point. Quand 26, allez. Krasnodar Region 29103. Hello. Taking off. Krasnodar Center, left turn to Maykop via Adigisk and Lazarskaya. ET for leaving region, 30 minutes. 2-9-1-0-3, Krasnodar region, climb to 500, Kora Pass in Adigisk. 2-9-1-0-3, Wilco, climbing to 500, reports Adigisk. Oh, mais merde! Putain, il faut pas me garder! On va enlever le pilotage automatique, hein! Voilà. Marre de voler en crabe là. Allez, on arrive au deuxième point.
Et il s'écroule. Ça, c'est de l'hélico de merde. Qu'est-ce qui peut être lourd comme machine? J'essaye de poser dans un champ aussi vaste que pas possible, j'ai du mal à simplement poser. Alors ça fait pas le but de la mission, mais c'est pour moi pour m'entraîner un petit peu. J'arrive pas à le poser. Il s'écroule, mais à une vitesse. Doucement, 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 ça va vivre, putain. J'arriverai à le poser correctement. Eh ben, pour les atterrissages précis, hein. Wow, vache! On repassera, hein. Oh, oh. Ah merde, on peut de torche, voilà, c'est celle-là. Un truc que j'ai pas compris là-dedans. Là. Ouais, conservateur de cap, tout ça, ok. Allez, hop, on reprend le vol. On lâche le frein.
j'arrive à le maintenir à peu près en stationnaire. Donc, hein, allez, hop, on prend le vol. Go. Et on reprend le cap de notre mission. Commander, turn left to heading 105, 28 kilometers to Adigesk. Ça il veut pas maintenir. On va suivre la route hein, là. Ah merde, la route, elle tourne. Ah bah elle passe par là.
left to heading 63. Krasnodar region 29103, passing Adyghe's 500. 29103, Krasnodar region, report on Hassan Razanskia. 29103, Wilco. Alex, there is an NDB in Razorskaya, set frequency 3120. Wilco, Maximich. Commander, we are too low. Climb to 500. Commander, we are too low. Climb to 500. Commander, we are too low. Climb to 500. Oh putain, tu m'emmerdes! Voilà, ça te va là? Commander, we are too low. Climb to 500. C'est bon. Il y avait des arbres. J'ai juste évité les arbres.
Commander, we are too low. Oui, ben là, je suis obligé de remonter là. Hein. Commander, we are too low. Climb to 500. Salut, Greg. Salut Zours 51. Vous êtes sur DSS World et pas sur X-Men 11. Hein. Sur du MI 8. Commander, we are too low. Climb to 500. Oh, ouais, c'est cool, bah. J'ai pas changé le titre, enfin le moteur de recherche du simulateur quoi. J'ai laissé sur X-Men 11. Bon allez, j'arrive à 1.4. Avec ce char d'assaut là. Ça se pilote comme une merde ce machin là. Ah putain. J'y suis. Pas chier. Putain, dès que tu te mets à ralentir, ce machin il commence à vibrer de partout.
On va le faire de recherche un petit peu. Commander, we are too low. Climb to 500. Ah, il a mis le temps à la ralentir celui-là. Hein. Mets les phares vers l'avant. Bon, allez, on continue le vol. Allez, go, on est reparti. Krasnodar region 29103. Passing Rosaskaya 500. 29103, Krasnodar region. Or I'm passing Nivnivniditsky. 29103. Wilco. Report Nizhnevnivnivsky. Commander, turn right to heading 125. J'y suis déjà. Je map c'est tout cela. Ah putain, c'est pas vrai ça. Allez. Hop. Image, have you ever been to Makeup before? Nope. Why? Is it an interesting town? Anything to see there? I have no idea myself. Alex, have you been to Makeup? Forget it. What would I do there? I'm being well fed in Krasnodar. Alex, so all you need is to get your stomach stuffed? What if girls there are pretty? You are single. Go take a better look. Oh really? As if I have nothing to do, Andre. Focus on your work better. Girls are none of your concern. You are already married. It's not for me. I got a friend. A clueless guy who'll be so lost without a woman's touch. Oh, please. Don't get me started. All right, then. Calm down. I just identified the potential. Salut Red to Light, R2D2, excuse-moi. mission en Caucase sur DSS World avec un char d'assaut, le Mi-8. Saloperie, j'arrive même pas à atterrir correctement avec ça.
Ou carrément, j'arrive pas à atterrir tout simplement. Alors, il m'a demandé de repérer des trucs potentiels là. Ah oh, putain, ça lag par moment. Ah, ta gueule, toi! Arrête de laguer comme ça. Ah, on va se rapprocher là-bas. Peut-être un truc pour nous là-bas, hein? On va lui mettre tout ça. Ça. Oui, 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 oui. Je sais, je sais, je sais. Juste, je regarde là-bas et je reviens. T'écroule pas, t'écroule pas. Pas peur, pas peur, pas peur. Ah, c'est rien. Allez, on reprend le vol. On reprend le vol, j'ai dit. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez, calme-toi, calme-toi. Voilà, gentil, gentil les messieurs. Wouhou. Voilà. Krasnodar region 29103. Passing Nizhnevdenevsky at 500. 29103. Krasnodar region, roger. Report on passing Belaruchinsk. J'ai un phare, j'arrive pas à le remonter. Ah, ah, ah. Voilà. Ah, oh yeah. Putain, bordel, toi. Non, toi tu coupes. Toi tu coupes. J'arrivais pas le. Oh putain, je sors de ma route. On revient sur la route. Je passe une journée. Hop là, hop là, hop là, hop là. Oui, oui, oui. C'est bon, voilà, on y est, on y est. C'est bon, t'es un comptable, maintenant on y est. We are too low. Climb to 500. Ah, le trim, j'ai pas le trimé correctement cet engin-là.
Ah putain, voilà, ok. J'avais le manche bloqué. Disais, il y a un problème là, Houston. Bah, elle est longue cette mission, hein, putain. Commander, we are too low. Climb to 500. Oui, mon GPS sur DSS World, c'est une add-on, ouais, exactement, ouais. Je l'ai pris pourquoi? Parce que sur DSS World, il est en promotion à 11 euros. Donc voilà, je m'en suis pas privé. 11 dollars, pardon. Donc voilà, 11 dollars, je m'en suis pas privé. Bon, j'arrive à mon point de destination apparemment bientôt là. Et donc c'est pratique quoi. Hein, quand tu as une mission comme ça, tu incrémentes les points sur ton GPS et puis après, bah, c'est plus simple quoi, que de regarder par exemple F10 là, savoir où tu es, tout ça. Bordel quoi. Il aime pas que je descende en dessous des 500 pieds. Hein. Je crois que c'est un russe, normalement c'est ça. Bah non, je peux pas être 500 mètres. 500 pieds là. Bon. Alors, en théorie, maintenant, c'est là que ça se complique. Bon, on va pas trop ralentir parce qu'on n'est pas très rapide là. On va voir. Donc, je ferai un 360 si vraiment j'ai overshooté là mon point. Oh ta gueule, voilà, je remonte. Ça m'attend de ralentir un peu. Commander, we are too low. Climb to 500. Overbridge, turn to heading 90. Ah, on va prendre le cap 90 maintenant. Krasnodar region 29103. Pass in Belorechensk at 500. Cap 90. Ouais, c'est parti, mon kiki. 29103. Switch into Sokrat. 1250. We'll report on contact. Over. 25. Bien haut là. Faut vraiment rester 500 pieds, 500 pieds quoi. Hein. Là, un peu haut. Hein. On va revenir sur notre tracé. On va augmenter. Voilà, un peu plus précis. C'est bien ça, je l'ai bien contacté. Ah, Socrate. 5. Oh, 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 toi, me lâche pas, toi.
Putain, dès que je m'occupe d'un autre panel, les autres ils pourraient le faire, hein, putain. Moi qui dois tout faire là-dedans. La vitesse complètement en vrac, la hauteur complètement en vrac. Made contact with Socrat. Over with you. Thanks for guidance. 2-9-1-0-3. Fly safe. Des vrais Russes, hein. Attention, hein. Oh ta gueule, voilà, je remonte, je remonte, voilà. There are even things flying here. I thought the airfield was completely abandoned. How shall we deal with such air traffic? We'll figure it out somehow. Earlier a civil airfield used to be here too, with Gras Estra. Closed now. Only Kanskaya remains. Bon, ben, je crois qu'on arrive. Hein. Et c'est là qu'on va s'amuser. S'atteignir.
Eh merde, je m'écroule. Oh putain, et voilà, il a planté. Pas chier. Planté, je suis planté, planté. Et là, je suis planté. Hein. Oh putain, con. Quel bordel, toi. Oh là là, quel bordel. Bon, on va essayer de se faire une autre. Comme ça, hein. Putain, ça la prime. Bon, je refais un test, mais pas que le Mi-8, mais plutôt que le HUI, on va voir ce que ça va donner. Alors. Et avec le avec quoi moi HUI. C'est là. Alors plef un cargo là HUI campagne hop ok. Alors je dois aller où, moi? Je dois aller sur une plateforme pétrolière. Ah bah tiens, ça va être marrant, ça. Putain. Qu'est-ce que c'est de la mission? Ah, faut régler le bordel comme ça. Musique, il faut couper. Bon, faut pas rester comme ça, quoi. Cap, recap, recap. Belle, voilà. Eh ben, testons. Je sais même pas si j'ai tout réglé sur le HUI. On va voir ce que ça donne. Attache, transport, patrouille. Bon. Hello again, Captain. Perfect weather conditions for our first ride in the area. Are you okay? You seem a little anxious to me. Do you want me to go through our task again? Je suis même pas sûr d'avoir réglé mis correctement mes axes. Ah si. Ça c'était. Hello sir. No, I'm just fine and ready. You surely don't seem ready to me. Let me repeat our task as you go through the startup procedures. Come on, start up the engines. Don't take off before I contact Argo. Our mission is business as usual. We will tune our ADF to 430 MHz, take off from Argo and head to Batumi Air Base. The Hellenic Charlie 130 had just arrived
and the Greek Minister of Defense, along with the reporters, are waiting to pick them up. Once we reach Batumi airspace, I will contact the tower and ask for clearance. We'll have to land next to the Charlie. Once we have them on board, we will fly over the Batumi port and then head back to Argo. I will give you further instructions during the flight. We got to behave as professionals to keep the minister and the reporters happy. Once we have accomplished our primary mission, we'll take off and head to the search area in order to contact an ASW task. Are you over with the startup, Captain? Let me contact Argo. We must get airborne fast. Copy, sir. Let's do it. Oh putain, j'ai pas su le chier. Ouais, recherche. Faut penser à tout, hein. Good morning, Argo Operations. This is Pegasus 1-1. Good morning, Pegasus 1-1. Go ahead. Argo Operations, Pegasus 1-1 is ready for departure. Requesting takeoff clearance. Pegasus 1-1, wind speed at 10 knots at 040. You are cleared for takeoff. After takeoff, fly heading 120 for 45 nautical miles. Roger, Argo Operations, Pegasus 1-1 out. You hear the captain. We're cleared for takeoff. Let's go. Non, non, pas encore. Je suis pas encore prêt, hein. Tu vas attendre, oui. Vous aussi, ça. J'ai de l'armement. Non, j'ai pas d'armement, non. Je n'ai point d'armement. Mmh.
les trucs que j'ai pas encore tout programmé là-dessus. Alors, voyons voir. Et au plein nord, on va essayer de décoller comme ça. Pas off. Voilà, recul. Et voilà. Un petit latéral. Comme en vrai. On t'éclaire. Allez, ciao tout le monde. Bon, par contre, je sais pas quel cap je dois suivre, rien. Bon. J'ai pas mon GPS là, c'est bizarre. Pourquoi il apparaît pas? C'est pas programmé là-dessus? That's the NATO fleet ahead of us. I wonder how's life on board a carrier. Take us closer, Captain. I want to take a good look. Ah, j'ai le droit de regarder le beau bateau. Continuez à Batumi. Tu permets au moins que je regarde le beau bateau? Un peu vide dans le bateau. Hein. Ah si, il y a quand même des avions qui décollent. Ah, c'est sympa ça. J'ose.
et 10. Et continue à Batumi. Ouais, mais je sais même pas où je suis. J'arrive là, d'accord. Enfin, à l'aéroport. Ouais, mais moi je me vois pas. Je me vois pas. Voir si dans la mission, c'est prévu pour. Bon, je vois aucun aéronef en vol, je vois rien du tout. Ouais, Batumi. Ouais, c'est par là, hein. Salut Vince Lople. Ah oui, c'est une campagne sur HEI, ouais. Enfin, la campagne, oui, effectivement, ouais. Et puis, il me demande de rejoindre maintenant Batumi, là, mais je sais même pas où je suis. Et on ne me voit pas sur la map. Ah, rien, que dalle. Bon, donc il faut mettre, hein. De toute façon, c'est sûr, c'est en face de moi. Au moins. Ah si, si, je dois avoir un attaquant, mais bon. Ah si, il doit y avoir un bord. Certainement aussi. Tiens, là, oui, tu vois, regarde. Il y en a un, là. Je ne sais même plus combien il était.
Paraît-il, il y a des sous-marins, ils ont mis des sous-marins sur cette mission. Salut Léo. Quelle mission de la campagne? Bah, c'est la toute première, là, les premiers instants, parce que j'ai tout à l'heure j'ai commencé à streamer sur la campagne de MI8, mais ça bug, le plantage de DSS World, voilà, va te faire foutre. Donc, et là c'est la toute première mission, donc je dois aller, j'ai décollé d'une petite frégate là, et je dois rejoindre la. Merde, Batmi, je sais plus quoi là. Enfin, la côte, déjà, c'est pas mal. Et de bateau en bateau, hein. Parce que Paty, il y a des sous-marins, ils ont mis les sous-marins en détresse et tout ça. Donc, on se jette, hein. Bon, j'ai pas tout réglé encore. Pour l'hélicoptère, j'étais surtout avec le HUI sur la map Nevada et map Normandie, et là la map Cocade, j'ai juste programmé quelques touches histoire de pouvoir utiliser un peu la campagne, quoi. J'ai pas tout mappé. Bah tu sais, t'hésites à l'acheter, à fait 5 euros, hein. Bon, c'est pas la mer à boire, hein, 5 euros, hein. Non. Par contre, j'arrive plus à avoir mon GPS. Putain. Et je sais plus comment on appelle la carte. Bon, là, c'est la carte F10, ça, je suis d'accord. Mais il y a une autre petite carte, je sais plus comment on l'appelle, qui touche, c'est par défaut, je me souviens plus. Ah, ça marche que pour le MI8, ce truc-là. Ah bon. Bah, là, par contre. Ah, pour la carte. Alt-GR. Alternate. GR plus K. Bon. Ah, non, ça ne donne rien. Alternate GR plus K. Hein. Alors on va essayer l'autre alternate K. Hein. Contrôle K. Ou juste K. Ah oui. Hop. Oh putain. Elle a du mal. C'est quoi ça? Il n'y a pas le. Sinon, Alt plus K. Ah, je fais défiler. Page 2. Non, ça marche pas. En plus. Ah non, ça c'est. Page 2. Ah. Oula.
Bon, bref. Bon, enfin bon. C'est juste K en fait, il faut juste appuyer sur K. Mais ça reste pas. Si quoi. Ça reste pas. Bon. Ah, des bateaux, des plateformes pétrolières. On va aller les voir. We're getting close to Batumi Airport, Captain. Prepare for landing, I will contact the tower. Batumi Tower, Pegasus 1-1 requesting landing clearance. Hello, Pegasus 1-1. We have you on our radar. You are clear to land. Land to the terminal area next to the C-130. Roger, Batumi Tower, clear to land next to the Charlie 130. You heard them, Captain. Right. Land the helicopter next to the Charlie with attention. We definitely don't want to injure anyone. Non, pourquoi il s'écoule là? Oh, il t'écoule là. Ah oui, je suis bien un peu... Ouais. Il y a un C-130 qui arrive. Qu'est-ce qui lui arrive là? Non, c'était pas du sur-régime, j'étais en sur-vitesse à un moment donné, donc le collectif n'arrivait plus à suivre. C'est tout. Ouais, bon. À plus de 100 nœuds apparemment, le machin il a dit ouf là. Alors ça c'est le plateforme pétrolière qu'ils ont mis. Vous allez voir hein. Ah j'ai rien mappé, j'ai même pas mappé mes touches de radio. Oh putain, c'est pas grave. Ah le C-130 il arrive là, on le voit. Je lag. Un 360 quoi. Bon, il y a mon OBS, excusez-moi, il a des Coroco en Griega. Par contre, ils ont fait en hélico, hein, ils n'ont fait aucune mission sur la map Nevada ou... Ou Normandie. Si Normandie, ils l'ont fait en dogfight, mais pas en hélico, quoi. J'ai même pas switché mes coms. Je peux pas demander l'atterrissage, rien. Oh, j'ai vraiment de... programmé à l'arrache et c'est tout hein.
Bon, le C-130, apparemment, il n'a pas encore atterri, lui. On va poser là. Il est quelle heure? 5h. J'ai peut-être aussi arrêté le stream parce que je commence à... un peu fatigué. Donc, de toute façon, il faut que je reprogramme, continue à programmer l'hélico, hein, parce que j'ai pas mis mon panel radio, j'ai rien. Je vais peut-être pouvoir le faire là, modifier les commandes. Communication radio. Menu communication, on va le mettre sur là. Ici. Merde, ça marche pas. Commande. Communication, c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il me l'a pas pris? Pourquoi il me l'a pas pris? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce que je pourrais prendre comme touche? Que dalle. Bon, pas grave, allez. On va déjà décaler par rapport à la piste, c'est l'autre qui nous arrive dans la gueule. Look at those people, the minister loves publicity. Qui ont changé là, normalement ça fait pas ça. Pourquoi il reprend pas les tours? Il prend pas les tours? Ah là il reprend les tours. Je sais pas ce qui s'est passé. Oh là là là. J'ai posé, c'était limite là. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il y avait de la publicité quelque part à voir, c'est ça? Oula, c'était quoi ça? Oula, il y a des bugs là-dedans. C'était pas ça qu'il fallait que je fasse. Me poser en plein milieu des spectateurs. Nice, Captain. Let's wait for our passengers to get on board. Ah, ça m'a ouvert les... You're late. I hope you can make it on schedule, okay? Yes, sir. We're happy to have you on board.
Let's go, Captain. Let's take off and head north to Batumi Harbor. Roger, sir. Batumi Tower, Pegasus 1-1, requesting takeoff clearance. Pegasus 1-1, you are cleared for takeoff. After takeoff, fly heading north at 500 feet. Cleared for takeoff, 500 feet, Pegasus 1-1 out. Bon. Là, sans pied, hein. Ah d'accord, il aime pas quand je lui force sur la gueule, hein. Dans un meeting aérien, j'ai jamais vu qu'on pouvait passer au-dessus de la trompe. Bon, j'ai arrêté là. On pose. Peut-être que je peux sauvegarder la mission telle qu'elle. J'ai arrêté là le Astramang. Comment ça se passe quand on quitte une mission? Alors. Ah, on peut regarder le track. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Hélicoptère, d'accord. C'est 50. Les victoires. On peut regarder le track.
qu'on peut. Fermé. Alors, donc, elle est bien active. Mission volée 1. Donc, j'ai fait une mission. Bon, combat 0. Taux de réussite 50. Bon. Bon, ben, merci à tous de m'avoir suivi. Je vais quitter l'Ostramang. Et je vous dis à très, très bientôt. À Kenavo. Ciao, ciao.